Bonjour, je vous propose de réaliser un dessert au chocolat façon forêt noire. Pour mon dessert au chocolat façon forêt noire, il vous faut une crème au chocolat, des cookies chocolat, pépites de chocolat et une boîte de cerises décortiquées. Moi, je ne les ai pas trouvées décortiquées, donc il faut les dénoyauter, hein. Pour commencer, on va prendre les cookies qu'on va mettre dans une assiette creuse et on va les écraser avec une fourchette. Comme les cookies sont bien écrasés, nous allons rajouter la crème au chocolat par-dessus. Hop là. On va bien mélanger. Donc, quand c'est bien mélangé, on va reprendre les cerises et on va dresser dans nos petits ramequins. Donc moi j'ai pris des tasses en verre. On prend un peu de cerise dans chaque tasse. Donc on met au fond les petites cerises. On met une cuillère par-dessus. Hop, une deuxième. On fait ça dans tous les petits ramequins. Là, j'ai mis une première couche. On remet deux cerises au milieu. Et on va remettre une couche, juste une cuillère de préparation au chocolat pour recouvrir la cerise. Et on va mettre pendant 1 heure au frais. Pour faire la mousse qui va ressembler à de la chantilly, on va prendre 100 ml de lait concentré et 20 g de sucre glace. On va bien les mélanger. On va le faire avec un fouet électrique. Ça va vous donner une mousse que vous allez mettre au-dessus comme si c'était un nuage. Ça va servir en direct. C'est très... Donc, après avoir fouetté le lait concentré et le sucre glace, on obtient une mousse comme ça qui est très légère, très aérienne. C'est très subtil, très bon. Vous avez juste à la poser dessus les desserts et vous emporter à manger. Voilà ma version du dessert au chocolat façon forêt noire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis et à aimer. Au revoir!